Alors, le projet d'intrascolaire, il a commencé comment? On était plusieurs mamans. En fait, on a... C'est parti d'un malaise, en fait. J'avais beaucoup de mal, pour ma part, hein, à faire faire le devoir à mes enfants. Le projet d'intrascolaire, quand je suis venue voir la maison de quartier Aragon, je leur ai dit, voilà, moi, je voudrais montrer un projet, je ne sais pas comment vous l'expliquer et tout. Et en parlant avec certaines mamans, on s'est rendu compte qu'on avait tous ces mêmes difficultés-là à faire faire les devoirs à nos enfants. Quand on rentre le soir, ils sont moins attentifs, ils sont fatigués. Moi, c'était une barrière. Je n'arrivais plus à obtenir quoi que ce soit d'eux. Et je voyais souvent qu'avec une autre personne, eh ben, ça se passait mieux. Et d'autres mamans me disaient, ben, moi, j'ai du mal parce qu'il y a des trucs que je ne comprends pas. D'autres mamans me disaient, ben, ça ne fait pas longtemps que je suis en France, j'aimerais bien que mes enfants acquièrent correctement la langue française. Et tout ça m'est venu d'une idée. Je suis venue voir la maison de quartier. Je leur ai dit, pendant un temps justement qui était destiné, où on pouvait ouvrir des projets, elle nous avait dit, ben, quel était mon projet. Je leur ai dit, moi, je verrais bien un projet d'entraide scolaire qui serait vraiment un projet avec les parents, les enfants et quelques, si on pouvait avoir des animateurs, de l'aide, des locaux, pour pouvoir réunir ce petit monde et s'échanger en fait nos enfants. Par exemple, une maman qui avait du mal avec son enfant, ben moi je prenais la relève, ou qu'elle avait plusieurs enfants en bas âge, un peu plus, où on pouvait tous travailler ensemble pour s'entraider, pour pouvoir avancer. J'en ai parlé autour de moi et j'ai essayé de convaincre plusieurs mamans pour avoir un peu de monde, pas un comité, qu'on soit pas dans la quantité, mais dans la qualité. Et après ça, ça s'est monté. Quand t'arrives, c'est tout prêt. Et grâce à Mathieu et Florence et Sophie, on a pu monter ce projet-là, qui pour moi est une réussite, à mon échelle à moi. Parce que je vois que mes enfants, comme ils sont avec quelqu'un d'autre, ils se permettent moins de choses, donc ils vont plus être dans l'étude. Et puis, j'ai même vu les résultats scolaires de mes enfants quand même bien améliorés. J'ai vu aussi qu'on pouvait, c'est peut-être un moment convivial aussi, où on pouvait avoir un côté un peu jeu, où les enfants, dès qu'ils avaient fini leurs devoirs, ils pouvaient aller souffler, venir jouer un petit peu. Puis avec les petits frères, les petites sœurs. Ça a amené aussi de la sociabilisation pour certains. Et puis plein de choses. De l'amour aussi. Outre l'entraide scolaire qui est très importante, mais l'entraide aussi sociale. Ça permet aussi d'avoir cette entraide-là, de voir comment les autres s'en sortent, et pourquoi elle y arrive et pas moi, et pourquoi moi j'arrive pas là, et pourquoi mon fils il a plus de difficultés là. Puis des questions qu'on se pose sur soi-même. Cette entraide-là, elle y était avant dans les quartiers et tout, mais ça se faisait un peu la va-vite. Là, on a une structure, c'est ordonné, on a un cadre, on a un contrat, on signe quelque chose, on s'engage. Donc c'est quelque chose qui rend les choses un peu plus légales, plus vraies, voilà. Alors, c'est le lundi. Le jour, il a été décidé par l'ensemble des parents. On s'est réunis plusieurs fois avant de pouvoir bien monter les choses. C'est le lundi, de 5h à 6h30. Donc, ça fait quand même 1h30. On a un petit temps info où on donne un peu des nouvelles. On fait un peu les infos du quartier, qu'est-ce qu'il y a dans la maison de quartier, qu'est-ce qu'on peut faire, il y a des choses comme ça. Et puis, on a des bénévoles qui viennent gentiment nous donner la main et les aider un peu à déconstruire, à revoir un peu les choses qu'ils n'ont pas bien compris à l'école. On a plein de jeux, on a des jeux de société, on a des crayons de couleur, et ça marche bien. Et puis, je pense que les mamans sont contentes de venir aussi se retrouver. Ça peut être un moment aussi d'échange entre mamans, qui parlent de leurs problèmes, pour avoir un atelier de cuisine. Là, c'est arrive les beaux jours, peut-être qu'on aura des pique-niques, des choses comme ça. Donc, c'est quelque chose qui peut évoluer. C'est parti d'entraide scolaire, mais ça a évolué sur plein de choses. Et c'est pas mal. Mais c'est quelque chose où le projet n'est pas dissociable. On ne peut pas envoyer ses enfants tout seul. C'est les parents et les enfants. C'est pas uniquement les enfants, on dépose. C'est pas un soutien scolaire lambda. C'est un soutien scolaire où les parents sont là et ils s'investissent.
Bah, par exemple, la maman qui ne peut pas faire les devoirs parce qu'elle a du mal avec le français, des choses comme ça et tout, et bah, elle va faire autre chose, elle va s'occuper des plus petits. Et que l'enfant, lui, bah, pourra évoluer avec d'autres personnes. Mais c'est vrai que le projet a bien monté. Mais moi, je pense que dans toutes les communes, il devrait y avoir quand même un peu ce projet-là. On pourrait aider les enfants et les parents à faire une sorte de communion où c'est pas que l'enfant ou que le parent, même s'il faut des moments où il n'y a que les parents ou que les enfants, mais là c'est vraiment un moment où tous les deux sont là et s'investissent. Et voilà. Et là je pense que c'est quand même quelque chose qui a bien pris ses marques et puis ça avance bien.